Allez, je suis avec une nouvelle recrue pour l'US Carcassonne cette saison. Cette nouvelle recrue, donc c'est Gilles Bosque qui nous arrive tout droit de Perpignan. Gilles, en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle donc Gilles Bosque, j'ai 23 ans, j'arrive de Perpignan et j'ai été formé à Mias, une école de rugby juste à 10 minutes de Perpignan, et ensuite je suis parti en minime à Perpignan donc jusqu'à l'an dernier. Une carrière 100% catalane. Oui, voilà, pour l'instant tout s'est passé en pays catalan, c'est la première fois que je sors du pays, on va dire. Alors justement, pourquoi le choix de quitter le pays catalan et de venir ici à Carcassonne chez les Gabach? Oui, ben, je manquais de temps de jeu avec l'équipe première à Perpignan. Donc Carcassonne m'a proposé un beau challenge en Pro D2. Donc voilà, le but premier, c'est vraiment de gagner du temps de jeu et de faire des feuilles avec l'équipe première de Carcassonne à un niveau moindre, donc ce qui devrait me permettre d'engranger un peu plus de temps de jeu. Il y a un beau recrutement comme cette saison côté Carcassonne, il y a de l'expérience qui va sûrement vous permettre de progresser. Oui, voilà, aussi j'ai vu les arrivées. Il y a quand même de très bons joueurs qui arrivent. Beaucoup de top 14, il y a vraiment un très beau groupe, on travaille bien depuis début juillet, donc c'est vraiment bien. Alors justement, comme tous vos camarades, petite question sur vos souvenirs, meilleurs souvenirs et pires souvenirs dans votre jeune carrière de rugbyman. Donc les meilleurs souvenirs, c'est mon premier match en première avec l'équipe de l'USAP, donc en top 14. Voilà, ça reste un très beau souvenir forcément. Et ensuite le fait d'avoir joué en réchelle à l'USAP avec mon frère. Ça aussi, c'est de plus beaux souvenirs de rugby. Ensuite, le plus mauvais, c'est la finale perdue en espoir l'année dernière contre Clermont. C'est en prolongation en plus, c'est toujours des mauvais souvenirs. Alors, à titre personnel, vos objectifs rapidement sur la saison qui s'annonce? Oui, l'objectif, c'est d'essayer d'engranger le maximum de temps de jeu et de faire le maximum de feuilles de match avec l'équipe 1 de Carcassonne. Écoutez, on vous souhaite une excellente saison en tout cas, et puis merci pour votre disponibilité. Merci à vous.